Good morning, allez, Yiden, tu seras aujourd'hui le Lunish Matabra Mordechai Ben Israël, Fanny David, Ben Fortuna, Mazal Frina, Dvoravat, Esther, ainsi que le Fat Abraham Noach, Ben Yehudit, et Rachel Perel, Bat Rivka, Betor Shachol Israël, si vous souhaitez vous aider, une prochaine Dune Misha, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions à Sarah Kluot, par exemple, Mishnahé. Amadir et Ishto, Shalotelech, le Beta Evel, ou le Beta Mishte, Yotzi, Veten Ketuba. Bipene, Sheno El, Befaneha, Veima Yato, En Mishum, Davaracher, Racha. אמר לה, על מנת שתאמרי לפלוני מה שאמרת לי, או מה שאמרתי לך, או שהיא ממלאה ומערה להשפע, יוציא וייתן כתובה. On va d'abord traduire la Mishnah, pour bien expliquer les mots, et on va reprendre une notion qu'on a expliquée dans la Mishnah précédente, pour ensuite expliquer plus précisément la manière d'avoir prononcé le Neder. On parle toujours de Amadir et Tishto, chez l'Otenech Lebet Ha'Evel. On parle d'un mari qui prononce un, qui interdit avec sa femme par les lois de Nedarim, de fin Neder, Shelo Telech le Bet Evel, qu'elle n'aille pas voir les endeuillés, ou les Bet Amishte, qu'elle ne mette pas les pieds au mariage du voisin. Yotzi Veiten Ketuba. S'il a fait un Neder de la sorte, alors il a l'obligation de divorcer. C'est la femme, elle sera en droit de réclamer qu'il de l'obliger à divorcer et de recevoir son Neder, Mipene Sheno, et il ressort cette loi. Mipene chez Noël Befanea, parce qu'il lui ferme la porte, une porte importante. Partir dans un mariage, ça réjouit, tu m'interdis de me réjouir. Alors là, dans ce cas-là, je peux rester avec toi si jamais c'est trop méchant. Moi, c'est ma grande copine qui se marie, ça me fait vachement plaisir de partir. Tu m'interdis de partir, tu me donnes une lettre. Et acte-toi. Le bête à Evel, partir voir les endeuillés, c'est le même principe. Que la Michelle, la Gmane se donne, qu'est-ce qu'il y a? Maximum, elle va éviter de pleurer, qu'est-ce qu'il n'a pas fait souffrir. La Gmane répond oui, ça fait souffrir. Parce que toi, la lechette, le bête à Evel, le bête à Michelle, il vaut mieux partir. Une maison d'endeuillé que de partir dans un mariage. Parce que quand on va dans une maison, voilà, sans trop y se rappeler, là, en deux mots, celui qui respecte les endeuillés, alors, Chazou Shalom, quand ce sera son tour, on le respectera aussi. Mais quelqu'un qui ne respecte pas, on ne le respectera pas, et la femme, elle peut dire, dis-moi. Un jour, elle va quitter le monde, elle aura 120 ans, il n'y aura plus personne qui va venir à ses vaillas parce qu'elle ne va pas voir les autres. Elle va pas voir les autres quand ils sont eux-mêmes dans leur peine. D'accord? Donc, il pourra, lui, réclamer le guet. On fait une petite pause tout de suite. Et d'abord, j'introduis maintenant la suite de la Mishnah. Le principe de la Mishnah précédent. On a déjà expliqué, ça explique qu'un mari, il interdit à sa femme de partir quelque part. C'est un être humain libre. Elle a peut-être des devoirs face au mari. Une fois qu'elle remplit ses devoirs et qu'elle manque à rien, il n'existe pas que le mari lui dise « je suis interdit de partir au mariage de tel ». Donc en fait, on parle ici d'autre chose. On parle qu'en réalité, même principe que elle prononce le néder, qu'elle s'interdit quelque chose que le mari est en droit d'annuler. Par exemple, « j'aurai plus de rapport avec toi, si jamais je vais au mariage, je te promets, pendant 30 jours, je n'ai plus de rapport avec toi ». Elle lui dit comme ça. D'accord? Donc, et là, le mari, il a le droit d'annuler son éder. D'accord. Parce que là, c'est quelque chose qui concerne le mari, il a le droit de l'annuler. Si le mari maintient un éder, alors là, dans ce cas-là, ça s'appelle qu'il a fait le mauvais coup de lui maintenir un éder qui la bloque et qui l'empêche de partir. Là, dans ce cas-là, c'est un droit de réclamer. D'accord, vous avez compris l'idée? Veimaya to'en mishum davar acher, rachai. Maintenant, à part ça, le fait qu'il est interdit de partir au mariage, c'est un tort, il n'a pas le droit de faire ce tort à sa femme. Par contre, mais si il va se justifier en disant que il le faisait à cause d'un davar achar, à cause de quelque chose qui se passe là-bas, rachai, il a en droit. En fait, là, il m'explique. Si tout à l'heure, il dit non, j'ai interdit à ma femme qu'elle aille dans le mariage, parce que là, c'est derrière, cousin, c'est le mariage, je veux le partir, c'est des gens bas, malsains, qui peuvent faire n'importe quoi avec elle, la faire tomber dans sa ira jamaïm, c'est pour ça qu'il a écarté, alors là, il a en droit. D'accord? Amar là, il lui a dit. Almena chetomri le ploni, ma chamarti. Maintenant, on va dire autre chose. Elle prononce un éder. Et lui dit, tu sais quoi? Le néder, je te l'annule à condition, chetomri le ploni, ma chamarti, que tu chenilles le néder. Hein. Ouais, tu t'interdis tous les fruits, et tu t'interdis d'avoir un rapport avec moi. Je te promets, je t'annule le néder si tu vas répéter à ta copine ce que tu m'as dit tout à l'heure. Quelque chose que l'achoum. Elle va avoir honte, elle va pas savoir où se mettre. Ouais, il dit, sinon je t'annule pas le néder. Donc là, il joue de nouveau avec les sadiques. Il aime bien la... C'est normal, on est tous une femme, et de temps en temps, on a envie de la secouer un peu. Pas la mienne. Mais
En tout cas, donc c'est le principe. Il a envie de la. C'est méchant, c'est malsain. Ben, il doit donner le guet. D'accord? C'est ce qu'il lui dit. Le ménage est tombé. Je vais t'annuler le néder, à condition que tu vas répéter d'abord à la voisine ce que tu lui dis. Oh, ma chamartilach. Oh, il a stimulé ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu vas répéter à ta copine. Ou bien, oh, chetehe me mal'a, ou me ara le hashpa. Littéralement. Ou bien que tu remplisses et que tu vides à la poubelle. Alors bon, dans tous ces cas de figure, Yossi Vedenkova, il devrait dire aussi ça même. C'est quoi qui remplit et qui vide à la poubelle? Deux interprétations dans la Gemara. Soit quand tu vas puiser de l'eau, je te demande que tu fasses. Je t'annule le néder, mais à condition que tu puises de l'eau, et tu le renverses, et tu le puises, et tu renverses par terre, et tu remplis, et tu renverses par terre. 10 fois. Si tu le fais 10 fois, je t'annule le néder. Il a fait danser comme ça. Alors là, la Gemara, elle explique que. Elle va dire que. C'est quoi? Je vais faire ça, les gens ils vont me prendre pour une folle. Qu'ici, tu prends de l'eau, tu la jettes par terre, t'as des croyances bizarres, t'as quoi? Donc du coup, c'est la honte de le faire, je ne peux pas le faire. Ça, c'est une interprétation. Deuxième interprétation avec Mara, c'est qu'en fait, on parle que dans leur moment intime, que il lui impose de se nettoyer après la partie interne, de manière à ce qu'elle ne va pas tomber enceinte. Il remplit, elle vide. Il lui impose en fait de. D'accord? Et qui dit chez le clot Azera. Dans ce cas-là aussi, c'est quelque chose que la femme n'a peut-être pas envie. Si jamais elle a envie de garder l'enfant, elle ne peut pas la forcer à elle à faire des à faire, à vider ce qu'il y a. D'accord? À nettoyer. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une journée pleine de Hatzlacha.